Bah pour moi, c'est surtout important d'avoir des lieux de culture alternative à Mons. Parce que là, il y a déjà plus beaucoup de galeries et encore moins de galeries alternatives. Enfin, j'en vois pas. C'est qu'on la laisse vivre sans le politique et dans un vrai partage et échange de tous les artistes de Mons. Il y a du talent ici, laissez-le vivre. Et la création aussi, pour pouvoir donner plus de moyens aux artistes pour pouvoir créer dans des conditions beaucoup plus faciles et équitables. La meilleure revendication, c'est de faire. C'est de déclencher des choses, c'est d'être dans l'activité, dans l'action, dans la pulsion, enfin pas la pulsion, mais l'impulsion en tout cas, et c'est de faire. Diversifier les lieux d'exposition et de diffusion. C'est quelque chose qui manque parce que tout le monde est en train de partir à Bruxelles, etc. Parce qu'il n'y a plus grand chose ici, donc voilà. Bah, toutes nos libertés ont été ici brimées depuis 1968, et donc on est devenu de plus en plus puritain, il faut remettre des dossiers pour tout. Et c'est pas de la censure, c'est de la bienveillance, de la bien-pensance, et au niveau de la culture, ça ne va pas. Je dirais que je pense qu'il est temps qu'on puisse mettre en place un vrai statut de l'artiste. C'est-à-dire que pour le moment, le statut de l'artiste, c'est du chômage amélioré, donc ça veut dire qu'on est considéré comme des chômeurs, donc que notre travail n'est pas considéré. Même pour les gens qui travaillent, qui sont très actifs dans l'industrie culturelle, il y a toujours des gens qui ont des moments creux. C'est pour ça que ce sont des intermittents du spectacle. Une bonne condition pour un artiste, c'est d'être indépendant. C'est de pouvoir s'exprimer et de pouvoir contourner un petit peu les demandes qu'on lui fait pour pouvoir exprimer en tout cas ses émotions à travers l'art plastique, les arts parlés, les arts oratoires, la musique, tout ce qu'on veut. L'idéal, ce serait la crédibilité, parce que ce serait cool que les gens se rendent vraiment compte du temps de travail et que c'est vraiment du travail d'ailleurs. Non. Non, on peut pas vivre de nos créations, il n'y a pas assez de subsides, on n'est pas assez reconnu. Des créations, on en fait. Moi, oui, mais en même temps, je joue dans d'autres compagnies à gauche, à droite, et donc je multiplie les interventions. Non, malheureusement, je ne peux pas en vivre à temps plein, même si je travaille énormément. Et heureusement, j'ai le statut d'artiste qui m'aide fortement. J'arrive à survivre de mon activité d'exécutant, mais pas encore comme artiste. Mais vu le peu de mouvement des politiques sur la question de l'artiste, de manière générale, je crois qu'on a peut-être un petit peu de soucis à se faire. En 2068, je crois qu'on va jouer dans le noir. J'ai le sentiment qu'on va peut-être revenir à des choses plus fondamentales. Et donc les revendications du passé, ça ressemblera à une pièce de théâtre. Ça ne voudra plus rien dire à cette époque-là. Ça sera chacun sera un monde à lui tout seul. Donc voilà, on est de plus en plus libre, mais il y a quand même encore des choses qui ne sont pas bien vues. Il y a des gens qui ne sont pas informés, c'est toujours les mêmes gens qui vont au théâtre. Parfois on joue pour les acteurs finalement. Je pense qu'une culture libre, ce serait une culture où on aurait les moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Et où il n'y aurait vraiment aucune censure dans ce qu'on veut faire, et où les femmes auraient la même place que les hommes dans la culture. Peut-être en 2068, on trouvera ridicule d'avoir mis tellement d'énergie à revendiquer, alors qu'il fallait juste qu'on se retrouve et qu'on s'éloigne des codes, les protocoles, et de revenir à une certaine idée de l'humanité, je veux dire, dans sa globalité. C'est, j'ai trop de carottes, j'en donne à celui qui a trop de pommes de terre, quoi, tu vois, c'est un peu... Je pense qu'il va y avoir des maisons bizarres, il va y avoir... Je crois qu'il n'y aura plus de politique, il y aura des grosses réunions au barbecue juste après le doudou pour savoir qui fait quoi l'année d'après. Ça risque d'être sympa.